Hey yo tout le monde, c'est Maestro, on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière sur NBA 2K23. Donc dans le dernier épisode, on avait fait 3 matchs de NBA, on avait commencé la saison et on en avait perdu 2 et on en avait gagné 1 face à Portland. Donc là on espère que dans cet épisode, il y en aura plus qu'on va gagner. J'ai juste fait une petite coupe là en bas au quartier. Enfin au quartier, c'est un bateau de croisière carrément, c'est une dinguerie. Une fois qu'on aurait beaucoup de pièces, on va s'acheter des vêtements, etc. pour avoir un peu plus de flow. Parce que là, un t-shirt marron comme ça, basket gris, tuqué, bon, ça va, mais que pour le début. Du coup, là, on va partir pour le prochain match. Tac, jouer match. Et on va jouer face à Denver, comme vous le savez. C'est parti, quatrième match de NBA. Hey, salut MP. Oh, Timmy, t'es sérieux, t'es venu me voir. Ah, c'est venu te voir. Ton agent m'a dit que t'avais besoin de conseils. Il y a un piège quelque part. Non, pas du tout. Je suis juste un fan. Ce que t'as fait à la fac, c'était impressionnant. Yo, ça me fait plaisir. Merci. J'ai vu la réaction du sort de ta draft. Ça m'a rappelé mon expérience. Tu n'as pas été hué le sort de la draft. Mais on pouvait ressentir de la haine, s'inscrire à la draft direct après le signe. Beaucoup de personnes n'ont pas compris. On m'a collé une étiquette, tout comme toi, pour être resté une troisième année à la fac. T'as fait comment pour t'en débarrasser? J'avais besoin d'en parler à quelqu'un qui avait le même vécu. Je suis allé voir Kobe. Hey, Kobe Bryant. Je ne savais pas que vous étiez si proche. On se parlait tout le temps, c'était l'autre star venu tout droit du lycée. Ah ouais, non, Kobe Bryant, sale, regarde, alors c'est dingue de t'entendre dire ça. Tu pourrais me dire le genre de conseil. On parlait d'un tas de choses, mais la chose la plus intéressante, c'est son éthique de travail. C'est là qui... Ouais, c'est ça, pour les nombres à la fac, c'est le travail. Bah oui, y a que le travail, y a que le travail pour réussir. 100% tu vas y arriver, je sais que t'as la mentalité qu'il faut. Bah ouais, tout pour le charbon, merci beaucoup. Surtout au nom de toi, t'es... Promis, tu vas donner tes objectifs, promis. On va les atteindre pour lui, là. Lui, c'est un bon. Lui, c'est un bon. Je veux que ça soit mon pote aussi. Je veux que ça soit grave mon pote. Allez. Du coup, là, le match va commencer. On se retrouve direct pour le match. Allez. Face à Denver, les Nuggets. C'est qui, c'est Jokic? Bah ouais, Jokic, il est trop fort. Gordon aussi, il est fort, faut faire attention. Mais Jokic, vraiment, c'est lui l'homme qui met tous les points. Et ça se trompe, on va être au marquage sur lui en plus. Bon, pour l'instant, on joue pas, bien évidemment. On est remplaçant, mais bon, on va avancer direct. Bah, du coup, là, on est sur le parquet des Nuggets en plus. Il y a 14 à 13. Allez, 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 allez. C'est parti pour les meilleures actions de ce match. En espérant refaire, pourquoi pas, 10 points. Pourquoi pas. Oh là là, la passe de James Borough Davis, incroyable. Allez, 15-14, c'est parfait. Oh, dommage, mon 3 points qui passe pas loin là. Wesh, comment il va tenir, c'est un ouf. Allez, lancer franc. Par contre, on est à l'extérieur, ça va vibrer de ouf, bah ouais. Ah, ça vibre de ouf, ça perturbe, hein. Donc on rate le premier lancer franc, et le deuxième aussi, purée, c'est un truc de ouf. Non, on n'a pas le droit. Magnifique, bien joué ça. Allez, nos premiers 2 points, Anthony Thomas, boum, petit replay, c'est parfait. Parfait, 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 hein. Smith missing. Very dangerous to leave a guy like that open. Lucky break there for the D. Mais non, comment c'est pas rentré? Oh la boulette. Lakers shooting under 40% all in all for the game. Here's Thomas. Oh, dommage, c'est pas rentré. Bon, au moins on a obtenu une faute. Bien joué, le lancer franc réussi, parfait. On a 3 points là, ce serait même mettre un 4e. Oui, 4 points. Allez, bien joué là, le lancer franc. Cette fois-ci, on l'a réussi. Parfait. Mais, oh, je suis trop bête. Voilà, super. Oh oui, parfait, parfait. Le mieux en plus qu'on a fait avec le joueur là.
C'était pas calculé. Mais bon, c'est passé. C'est parfait. Oh là là, comment on a récupéré la balle là. Pow! Dunk, super. Réalise un moment fort. Palmarès débloqué. Plus 1200 fans. Oh là là, là on est en fire là. Une passe décisive magnifique. Un dunk. Tout est parfait. Oh là là, ma passe elle est parfaite. Mais pourquoi il a pas fini? Allez, on va faire un écran. Green comes in for Brown, and it's Ish Smith in for Murray. Here's Thomas. Mais genre ça rentre pas de là où j'étais. Vas-y, c'est des menteurs. Oh là, ce qu'on a fait. Oh là là, ce qu'on a fait. Incroyable, incroyable. On a tourné sur nous-mêmes. Parfait. On a 9 points, un rebond, une passe D. Non, purée, on était à ça du 10 points, j'abuse. Fin du troisième carton, bon, il est à côté. Ça, c'est parfait. On gagne toujours, ça aussi, c'est parfait. Mais bon, j'aurais pu réussir le deuxième lancer franc. Comme ça, j'aurais encore fait un match à 10 points. C'est dommage, là, purée. Oh là là, il reste 3 minutes. Là, on fait une superbe intervention. Ah ouais, 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 ouais. On fait une superbe, superbe intervention. Après, dommage que Walker, il a pas réussi à aller au bout de son action. Ça nous aurait fait une petite passe décisive, mais bon, tant pis. Hein. Tant pis, tant pis, tant pis. Allez, mets les lancers francs au moins. Oh, il rate le premier. Oh non. Il a réussi le deuxième, ça va. Joué, pouah, comment il a bâché. LeBron James, s'il te plaît. Mon gars, LeBron James. Eh, vas-y. Oh oui, bien joué. J'ai rien dit, LeBron James. J'ai rien dit, il avait sauté un peu avant. C'était chelou, ouais, là, il avait sauté. Hein. Mais bon, il a quand même pris la balle. Il a mis le panier. Donc ça fait deux passes décisives. C'est parfait. Ouais, j'ai une petite faute là. Bah oui, dommage qu'on ait raté le panier par contre. Oh, mais c'est pas possible. Genre, je vais. Non, faut que je réussisse le deuxième. Allez, allez, allez. On réussit. Oui, allez, 10 points encore atteints. C'est parfait. Si on atteint minimum 10 points à chaque fois, c'est parfait. Moi, je me plains pas. Ben oui, parfait ma passe décisive là pour les LeBron James. 10 points, un rebond, 3 passes D. Franchement, on est super bon là dans ce match. Oh là là, presque. Bon, il a mis du temps à me faire la passe. Il ne voulait pas que je tire. Bon, on a essayé, on a raté. Tant pis, au moins on a essayé. Hein. C'est le principal. On a un C plus comme note, c'est parfait. Allez, allez, félicitations, vous pouvez améliorer un insigne, ok. 843 pièces gagnées. Faut gagner au moins 5000 pièces, là. Je veux m'acheter une paire de godasses ou des vêtements. Je sais pas encore ce que je vais acheter. Nous verrons bien. Pour l'instant, on va continuer de jouer les matchs, tout simplement. Hop, quête, ouais, non, pas les quêtes. Ah non, c'est insigne, voilà. Insigne, et c'est quoi? C'est ça, voilà, on peut gants, pro de l'esquive, teigne, menage, chevillère, bourreau du travail, on va mettre ça, hop, tac, et puis sûrement des fois, j'ai entraîné mon pro moi-même à la salle là, de muscu au quartier, donc soit on le fera en vidéo, vous me dites dans les commentaires si vous voulez qu'on le fasse ensemble ou non. Là on va jouer face à Minnesota, Timberwolf. Ils font 117 points à peu près par match. Pouah, ils sont chauds. Hein. Et 4 victoires, 1 défaite. Donc 2 victoires, 2 défaites. On est 8ème. Ils sont 3ème. Allez, 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 allez. MP, t'as une minute. Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me dire? Les problèmes encore? C'est quoi ce genre d'avantage, les fans? Écoute, je voulais. Je pensais avoir été clair. Le basket passe avant tout, point barre. Bah ouais, frérot. C'est le cas, mais beaucoup de gens me disent que je dois faire d'autres choses aussi. Qui est Freddy? Qu'est-ce que je t'ai dit sur lui? C'est que tu m'as dit sur lui, mais c'est pas parce que tu l'aimes pas qu'il va disparaître comme ça. Je t'ai dit, tu viens me voir s'il te prend la tête.
Je me prends pas la tête au TLA. Ce que je fais en dehors du terrain, ça ne m'empêche pas de faire le nécessaire pour l'équipe sur le terrain. J'ai besoin que tu sois concentré. Je suis concentré. Tu es un élément important de l'avenir de cette franchise. Je le vois. Je te remercie sincèrement. Me faire confiance, je gère. Mais c'est un bon, mais il nous dit de nous concentrer que sur le basket, mais... Nous, avec l'autre, là... Aïe, aïe, aïe. Les problèmes. Je compte sur toi. J'ai cru que j'allais pas le checker. Wesh. Donne-moi le... Adam, ça faisait trop longtemps. Et après ça, il part téléphoner à son poteau. Allez, Anthony Davis. Oh, il y a Anthony Edwards. Et il y a trois Anthony là sur la pelouse. Anthony Thomas, Anthony Davis, Anthony Edwards. Puis ouais, il y a D'Angelo Russell aussi. Ouais, il est derrière. Faut faire attention, il est trop fort en 3 points. Truc de fou malade. En plus, on joue chez eux. Ça va être chaud, ça va être un gros match. Il y a Gobert aussi, ben oui. Il est trop fort, lui. Mais là, il y a 9-8 pour l'instant. Ça va. Ok, il commence par une faute, nous on commence bien. C'est Russell en plus. Oui, ça passe, ok. Premier point de la soirée. Et non, là on le rate, purée, j'ai trop large. Bon, au moins il y a 9-9. Mais bon, on aurait pu mettre un petit 19, hein. C'est triste. Bien joué, pour le Davis, comment il a bâché. Bien joué, mon gars. C'est trop grave, ouais, ça veut pas rentrer. Il reste 16 secondes là. Oh oui, j'ai gagné le duel face à Roussel là. Et heureusement, je pense. Parce que sinon, ça faisait très très mal. Je passe quoi là? Il reste 13 secondes. Attention à Roussel. Ok, il la met pas, au moins ça c'est carré. Allez mon gars. Purée, ça rentre pas. Et ça veut pas rentrer. Depuis tout à l'heure, ça veut pas rentrer. Allez, on espère que quand les gros jeux arrivent à rentrer, ça va faire la diff là, parce qu'on perd de 5 points. C'est chaud, hein. C'est chaud. J'espère qu'ils vont remonter. Tac, on va voir ça tout de suite. Et il y a 28-16. Oh la dinguerie, on perd de 12 points. Oh. Oui, bien joué ça, devant Roussel en plus, magnifique, plus 1200 fans, c'est parfait là, faut qu'on remonte, allez, on a l'occasion de remonter, on a les occasions en plus. Oh, comment j'ai feinté Roussel, magnifique, on a 5 points là, on remonte bien, merci LeBron James. Po, 28 avant, allez là, on est en train de remonter. Dunk devant Anthony Edwards, mais c'est un truc de ouf là. On fait un bon deuxième carton. On est monté à 7 points. On a 8 points de retard. Oh oui, passe des normalement. Une passe décisive. Merci Anthony Davis. Allez là, s'il met son lancer franc, on n'aura plus que 5 points de retard. C'est incroyable. Oh, il le rate. Oh non, on a 6 points de retard du coup. Attention, ça va, ça rentre pas. Wesh. Non, je l'ai pas eu. Ah, bon. Il a mis 3 points. On a 7 points de retard maintenant. Davis. Bon, de base, c'était pour Davis. Je sais pas pourquoi il a mis tout là-bas là. Du coup, on perd de 7 points à la mi-temps. On va bien voir ce que ça donne quand on va revenir des vestiaires. Normalement, il va nous remplacer. On va voir ça. Hop, Westbrook, Davis, Jones. Allez, on passe. Voilà, on est remplaçant. On va simuler jusqu'à ce qu'on rentre en jeu. Et 45-39. Ok, on perd toujours de 6 points. Il y a moyen d'aller chercher la victoire. Oh, genre ma passe là, elle est ratée dès le début. Et puis ça fout la rage. Bien harcelé là, le porteur du ballon. Oh, magnifique. Allez, on est à 9 points. Magnifique. Enregistrer 4 tirs consécutifs réussis. C'est parfait ça. On va encore faire un match à 10 points. Magnifique ça. Allez, on a moyen de faire 10 points là.
Allez, mais non, genre ça rentre pas. Allez, on se concentre. On lâche au bon moment, oui. Bien joué. Allez, 10 points. Ça, au moins l'objectif de la soirée, c'est réussi. On a 6 points de retard. Sans Minnesota, là, faut absolument remonter. Allez, là. On veut gagner, on veut pas perdre. Pour ma passe, elle est magnifique. Merci Anthony Davis. On a 10 points de retard là, c'est énorme. Mais bon, on va essayer de remonter. On va essayer, on va essayer. Oh, c'est pas passé. Bon, au moins on obtient un lancer franc. Allez, faut les mettre hein, par contre. Il n'y a pas assez de puissance, mais je suis bête. Allez. Oui, lui il rentre super. 11 points. Et 7 points de retard. C'est énorme, purée. Parfait, mais ma passe D, elle est parfaite. Bien joué, allez là. 5 points de retard, il reste 1 minute 23. On peut. Allez, faut juste qu'il rate tout là et que nous on réussisse tout. Allez. Qu'il rate tout, j'ai dit. Attention. Parfait. On a 13 points. C'est un bon match qu'on fait là. Allez, on va sortir haut. Et on a 4 points de retard. Pourquoi il fait une faute? C'est dommage. Exclu carrément, wesh. 76. Ah, on a perdu hein, malheureusement. Normalement on a perdu. Oh Westbrook. Oh là là, 3 points oui. On a 3 points là. On va refaire une faute, c'est ça? Oui, bien joué, allez. Faut faire des fautes. En Russell, il va faire quoi là? Il a mis purée. On a 4 points de retard. Là il arrête. Bon, il a mis purée, c'est un truc de ouf, wesh. On a 5 points de retard. Allez, c'est on a un petit 3 points là. On refait une faute. Bref, il y a moyen, mais bon, le temps il va passer trop vite. Allez, on s'en fiche du temps mort. Allez. Faut vite passer là. Oh là là. Non, pourquoi c'est pas rentré? J'ai trop la rage. Bah ouais, faute indirect. Il reste que 7 secondes. Mais Russell, il va les mettre, les paniers. C'est ça le bail. Bon, on a perdu. On a perdu ce match-là face au Minnesota. Ils sont tout simplement trop forts. Voilà, ma passe pour Walker, elle est belle. Tony Davis aux 3 points, et ça rentre même pas à 80-73, on perd. Là, on est en 2-3 pour l'instant avec les Lakers. C'est très très mauvais. Pire, ça fout la rage, hein. Ça fout la rage. On a obtenu une note de B, 13 points, 3 passes D, c'est quand même très très bien. 800 encore en pièces, c'est parfait. Aïe, c'est pas facile le basket, hein. C'est pas facile. Est-ce que j'aurais dû signer aux Lakers ou autre part? Ça, je sais pas. C'est mon équipe préférée, entre guillemets, les Lakers. En même temps, il y a LeBron James, c'est Anthony Davis. Il y a du monde, mais bon. Que réponds-tu à ceux qui pensent que tu n'aurais pas dû lancer une offensive de charme pour mettre la ville dans ta poche? Oh, c'est quoi encore les problèmes là? Je ne dirais, ils ne me connaissent pas bien. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui critiquent cette opération de RP? Ils ne me connaissent pas bien. On va dire ça, je répondrai qu'ils ne me connaissent pas bien, pas plus que mes valeurs. D'accord, quelles sont tes valeurs? Aider mon entourage, Ney. Sur le terrain et en dehors, je fais ça depuis le début. Mais dans une nouvelle ville avec d'autres supporters, j'ai eu besoin d'un coup de pouce au début. J'ai donc réuni l'équipe et la franchise pour savoir comment je pouvais aider la communauté. C'est pas une bonne chose de vouloir aider la communauté? C'est l'impression que tu donnes. Qui, moi? Oui, toi. Pas du tout, c'est juste. Je pense que certains trouvent que tu t'éparpilles. Tant pis, car c'est faux. Il y a 24 heures par jour, ça me laisse du temps pour m'entraîner tout en aidant des gens. Demande à tous ceux qui sont dans le vestiaire, tu verras. Que je travaille aussi dur que mes coéquipiers, donc non.
Je ne m'éparpille pas. On peut trouver ça un peu cynique, mais ils ont un moyen d'aider l'équipe à vendre ses produits dérivés. Pour jouer au basket et aider ma communauté, ça ne va pas plus loin. Merci de m'avoir répondu, merci. Wow. Est-ce que tu pourrais me parler de l'article de Nate Will qui a révélé que l'équipe vous avait proposé de participer aux initiatives de RP? Oui, bien sûr, j'écoute la question. Ça me paraît être une super idée. J'aimerais que tu nous parles des choses que tu pourrais faire ou que tu aimerais faire à l'avenir. On va répondre là. J'aimerais juste clarifier un truc. J'aimerais d'abord clarifier un peu les choses. On va dire ça un truc rapidement. C'est pas une stratégie commerciale douteuse. À l'étape d'apporter le bien au sein de cette communauté. Merci pour la précision, pas de problème. Pour répondre à ta question, il n'y a pas qu'une chose qui me motive, c'est simplement envie d'utiliser mes réseaux sociaux, mon influence dans la société pour aider les gens. C'est toujours une des choses qui m'a le plus motivé pour devenir un athlète, je parle pour moi bien sûr. Que je sois arrivé dans cette ligue, ils ont aussi assuré d'avoir un plan pour atteindre mes objectifs et la franchise t'a aidé à y parvenir sans aucun doute. Ils m'ont fait comprendre que j'avais tout leur soutien et je leur suis tellement reconnaissant. Il ne tient qu'à l'équipe et moi de parchever tout ça et c'est tellement motivant. Tu sais, si c'était eux qui me disent, je comprendrais que ça dérangeait les gens. Ok, on dirait que la ville a de la chance de t'avoir, MP. Bah oui, frérot. Ils ont de la chance. Ok, y'a plus de questions. Parfait, on part pour le dernier match de cette vidéo, les mecs. On a 9,6 points. Bah oui, on fait presque 10 points tous les matchs. 3 passes D à chaque match aussi. On va rejouer contre les Denver qu'on a battu il n'y a pas longtemps. Ils sont pareils que nous, juste que eux ils sont 11e, nous on est 10e. Donc c'est parti pour ce match face aux Denver. Hey Ashley, tu voulais me parler maintenant? Ok, j'arrive. Assieds-toi, oui madame. Vous voulez que je m'assoie? Dites-moi. Ah non, je te parle pas à toi. Je surveille mes chiens, ils sont. Qui m'en a parlé tout à l'heure? Il a quel âge? Des chiens, pluriel, désolé. Les Vassel, Benny et Merton, ils sont toujours en train de se battre et ça énerve. Parti avec le joujou d'Anita. C'est une mâchouilleuse, elle adore mâchouiller. Là, elle est sous le lit, mais c'est la place d'Olaf. Oh là là, c'est compliqué, wesh. Ça fait beaucoup de chiens, bah ouais. Mais t'as quelque chose à me dire? Ah oui. Tu te souviens de cet article dont je t'avais parlé? Non. C'est pas grave, j'étais préparé un truc. Ok, avec John Luck, il est parfait pour ça, il est sympa, il est tranquille, il veut aider, il est un peu comme mon petit Liam. C'est ça. Il va te donner le beau rôle. Il peut faire ça aujourd'hui, dès que je l'aurai appelé, mais uniquement si tu penses que c'est une bonne idée. J'ai l'impression que tu l'as déjà appelé, par vrai, tu l'as appelé ou pas? L'idée que je pense que c'est une bonne idée, évidemment, merci. Et donc tu nous compares toujours à tes chiens ou c'est de nouveau un nouveau hobby? Jonas ce serait Ricky et Jenny ce serait Mila. Je suis Benny, tu es Bjorn. Wesh mais elle a trop de chiens. Je comprends plus rien. Ce que j'aimerais en savoir plus sur ces 30 chiens et je vais voir John, ça te va? Du pur Bjorn. Wesh, elle nous compare vraiment aux chiens là. C'est un truc de ouf de faire ça. Si gentil. Si gentil et si doux. Bon. Plus tard dans la journée, MP, ça va? Hey John, comment ça va? Bien, ça se passe. Ça le fait. J'étais à l'heure, d'accord? En avance même. Ok, il va nous proposer quoi lui? Parce que là on est dans les problèmes tout ça. Mais elle en fait un peu peur quand même, Ashley, c'est une crème. Je rate ma thérapie du coup parce qu'elle m'a dit que c'était important. Sérieusement? Attends, on peut reprogrammer, je peux revenir une pro. Ok, bon lui c'est vraiment bon, hein. Il aura toujours une autre session, pas vrai? Qu'est-ce qu'il va nous proposer notre Joe là? Allons-y.
En plus, c'est ça à côté de nous, il se met même plus en mode. Tiens, il y a un peu de temps pour t'acclimater, cette adaptation, ça s'est bien passé. Point d'interrogation, je cherche, je ne m'adapte pas, je cherche encore ma place. On va dire, je cherche encore ma place. C'est un gros changement et je cherche encore un peu ma place ici. Parce que si on s'adapte pas, imaginez, ils nous disent tu changes de club, tout ça. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu penses que c'est lié à toi ou à des éléments extérieurs? Des facteurs extérieurs? On va dire que le conflit, ça tourne dans notre tête un peu. Parce que je suis resté moi-même. Bah ouais, tu vois ce que je voulais dire. Mais à cause de ce qui s'est passé le soir de la draft, j'ai dû batailler un peu en arrivant. Et c'est normal, ça n'a pas dû être facile, tu penses que c'est un peu... Non, déjà c'est la vie. Et c'est pas comme ça que je vois les choses, juste ou pas, ça n'a rien à voir, je vais rester moi-même, ces facteurs extérieurs dont tu parlais. Ils vont se retourner en ma faveur à un moment donné, c'est réel ça, ça c'est réel. On va devenir une légende du basket gros. Maintenant que tu trouves tes marques avec cette équipe et ses fans, si tu te projettes sur la fin de la saison, où tu vois toi et l'équipe? Ah, c'est une grosse question ça. Hein. Ça, je donne ma réponse policée que tout le monde. Ça, je me dis dans cette ville dans un an. Et je pense que tes lecteurs trouveront ça un peu plus intéressant. Ok, attends, je vais vraiment formuler. Comment tu te projettes dans cette ville? Comment se dessine l'avenir pour MP? Rendre cette ville meilleure, envoyer un message. Comment ça, envoyer un message? Rendre cette ville meilleure. Je suis pas né ici, mais c'est ma ville désormais. Tu vois ce que je veux dire? Et la bonne nouvelle pour tous ces... Eh non, là, on parle en tant que patron, là. Très ambitieux. Je vais t'en dire un peu plus sur ma philosophie. Si je suis avec toi, je suis avec toi. Et jusqu'à ce qu'on puisse plus avancer, tu comprends? J'essaye de faire avancer tous mes frères et sœurs dans cette ville, John. Et ça commence par leur ramener un titre, tu vois ce que je veux dire? Eh non, là, on parle comme un champion. Gros, la tête de homme. Et c'est ça qui me motive pour l'avenir. Ben oui, il faut leur ramener le titre. Même si le début de saison qu'on fait, il est pas terrible. Hein. C'est un homme du peuple. On le fait pour le peuple, à la Karim Benzema. Pareil, et parce que bonjour à Ashley, dis-lui que je suis désolé. D'accord, qu'est-ce qui se passe? La tête d'homme, la ville, elle va nous kiffer. On va être l'homme du peuple. Et on va ramener la NBA à Los Angeles. Ça marche, merci, salut, ok. La tête d'homme, que là on va faire que des gros matchs. On est obligé de prouver, hein. On est obligé. C'est parti, match contre Denver là. Ça arrive lourd. Allez, LeBron James et Anthony Davis là. Et Westbrook aussi là. Un gros match, on est à domicile en plus. On est à Los Angeles. Allez là, Denver, on les a battus il y a pas longtemps là, les Nuggets. Faut les rebattre. C'est parti, on va simuler jusqu'à. Tant qu'on rentre, on gagne 10 à 9, c'est chaud. Mais bon, ça le fait. Ouais, Westbrook. Pouah, ma passe, elle est parfaite pour le bon James. Magnifique. Allez, passe décisive directement là. Let's go. Bien joué LeBron James, allez, deux passes décisives là. C'est bien, on a eu deux offensifs, on a fait deux passes décisives. 14-9, c'est parfait là. Oh, troisième passe décisive. Non, là on est on fire. On est on fire, merci Walker d'avoir marqué. 16 à 9, en plus il marque même pas. Hein. Quand ils attaquent, pour l'instant, on négocie très très bien le match là. Oh, mais je suis bête. Ok, Davis. Voilà, ma passe pour Davis, elle est belle. Davis, en deux temps. Ok, bon, ça compte pas comme une passe décisive, mais bon. Au moins. On prend les devants dans ce match, même si c'est que un point d'avance pour l'instant. Mais oui, ça veut pas rentrer. Magnifique ça, bien joué, allez, voilà, voilà nous.
nos premiers points dans ce match. Il est en train de s'amuser avec Morey. Ouais, pas trop, hein. C'est lui qui s'amuse plus avec moi. Mais bon, on a mis deux points là. Allez, on lance le match. Let's go. Oui, voilà. Allez, on obtient une petite faute là. Un petit lancer franc à la maison. Normalement, ça finit au fond. Oh là là, ça finit même pas au fond. C'est le pire match qu'on fait, je crois. Déjà niveau stats. Et niveau réussite et tout, c'est catastrophique. 3 passes D en rebond et 3 points marqués seulement. On a marqué juste 3 points. On n'est pas en forme ce soir là. Enfin, non, ce match face aux Nuggets. C'est fou. Hein. C'est fou. On va essayer d'aller marquer. Hein. Pourquoi pas. Voilà, une petite faute encore. C'est bien. Là, on obtient des fautes. On commence à se mettre dans le match un peu. Lancer franc. Oui, 4 points. Allez, on va viser les 5 points. Oh non, purée. On rate le deuxième. C'est pas normal. Mais bon, en obtenant des fautes comme ça, on peut viser les 10 points à la fin du match. Hein, pourquoi pas. On va essayer. Allez, fais la passe, frérot. Thomas inside. He's guarded by Caldwell Pope. With Smart. Mais pourquoi ça rentre pas? Faut faire quoi pour que ça rentre? Here's Thomas. Voilà, quand même, allez, 6 points, juste avant la fin du troisième carton. C'est bien. Au moins qu'on atteigne 10 points, qu'on fasse un match plutôt correct, même si on a raté beaucoup de choses, que ce soit des passes, des tirs. Au moins 10 points dans ce match, et je serai un minimum content. Un minimum, vraiment un minimum. Hein. Là, il y a 99 à 78, ouais, on se prend une raclée, truc de fou malade. Ah, dommage. C'est pas passé, mais bon, on obtient encore une faute. Allez, pour aller à 8 points. Mais genre, ça rentre pas. Ils font exprès. Là, ça rentre parfait. 7 points. Allez, il nous reste 3 points, mais il reste qu'une minute. Je pense pas qu'on va faire 10 points, malheureusement, dans ce match. Hein. And ever win important, and this one will go down as win number 3. And with this win now, we're all square, one and one. Wow, petit dunk, parfait, 9 points. Allez, il y a moyen de faire 10 points, il y a moyen. Allez, il reste 45 secondes. No, there's a few ways to control a game, right? You can do it with pace. Attends, je suis exclu. Non, on est exclu pour 6 fautes. Oh non, je suis bête. J'étais à ça de faire 10 points. Et on fait une faute bête. Ah non, je suis vraiment trop bête. Pourquoi j'ai fait ça? D plus. 9 points, 1 rebond, 3 passes D. Après, au niveau des stats, en vrai, ça va, mais bon. Avec tout ce qu'on a raté et le fait qu'on perde, c'est ça qui fait que ça va pas au final. Purée. C'est très très dur ce début de saison avec les Lakers. Hein. C'est très 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 dur. Salut Anthony, j'ai des très bonnes nouvelles. Mobile One veut te signer. Il prépare un contrat ce moment même alors que tu vas vite... avoir de leurs nouvelles et gagner quelques sous. Parfait. Est-ce que ces conditions te conviennent? 750 pour un événement, 5 bonus. On va essayer de négocier. Hein, si on peut avoir 900 et 3 bonus, on va dire. Ça peut être pas mal. On peut accepter ça. Quelle prime de performance se tient intégrée? Passe des spectaculaires. Tir marqué après un pick and roll. Tir par en dessous. Double pas après dribble. Runner remporter un match. Match à 3 fois 3 points. Match à 3 dunk. On va mettre 15 pour remporter un match. Même si c'est très compliqué. Tire par en dessous et passe des spectaculaires. Hein. On va mettre ça. Hop, je suis content qu'on ait réussi à s'entendre. J'espère que tu resteras fidèle à Mobile One toute ta carrière. Mais c'est quoi là? On va avoir un petit nouveau téléphone ou quoi? Bon, on verra ça dans le prochain épisode, les mecs. Là, c'est la fin de celui-là. On se dit à très très vite pour un nouvel épisode. Ciao !